On élève des brebis dans l'Aveyron et dans le sud du Massif central depuis des millénaires. Le paysage que vous voyez devant vous, c'est le paysage des Grands Causses. Les hommes et les bêtes s'adaptent à ce paysage aride. Les brebis qui sont élevées, ce sont des brebis lacones, parce que c'est la seule brebis qui soit adaptée à ce territoire aride et rude. C'est une brebis qui ne donne pas énormément de lait, mais elle en donne du bon, du lait absolument excellent. C'est une brebis qui a été sélectionnée par nos ancêtres depuis plusieurs siècles. On égouttait le pérail sur des éviers en pierre qu'on appelait la péralière. Et c'est la péralière qui a donné le nom pérail. Le pérail que nous fabriquons est un pérail au lait cru. Nous, on est assez fiers de savoir fabriquer au lait cru. On récolte le lait tous les matins chez nos producteurs. Tous nos pérails sont moulés à la louche. Ils seront ensuite retournés et mis en salle de réessuyage où ils seront salés et ensuite affinés lentement pendant une dizaine de jours. Moi, je pense que la manière dont on fabrique le pérail pour Reflet de France, c'est la manière qui était utilisée par nos ancêtres il y a 100 ou 200 ans. Notre entreprise est une entreprise familiale. On a éduqué nos enfants avec la culture du travail bien fait. Et nos trois enfants prennent la relève. Et que des jeunes reprennent une entreprise comme ça, ça nous fait chaud au cœur. Et je suis très admiratif. Nous sommes la famille d'Ombre, nous sommes producteurs de pérailles.